Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Eh bien, très chers auditeurs, nous continuons une fois de plus du côté du Burkina Faso, où le gouvernement burkinabé a fait cas ce dimanche de détenus portés disparus et des dégâts matériels, mais précisé qu'il n'y a eu aucune perte en vies humaines ni de blessés lors de l'attaque à Nouna dans la nuit du samedi à dimanche. Selon un communiqué du gouvernement parvenu ce dimanche à l'AIB, dans la nuit du samedi 7 mai au dimanche 8 mai 2022, la maison d'arrêt et de correction de Nouna dans la province de Kossi a été la cible d'une attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés. Le communiqué signé de la direction de la communication et des relations presse informe que le bilan de l'attaque aux premières heures fait état des détenus portés disparus et des dégâts matériels et précise qu'aucune perte en vie humaine ni de blessés n'ont été enregistrés. Le communiqué indique que les éléments de la garde de sécurité pénitentiaire, en collaboration avec les autres forces de défense et de sécurité, sont à pied d'œuvre pour rechercher les détenus disparus et sécuriser les lieux. Eh bien, très chers auditeurs, ces hommes armés ont fait éruption aux environs de minuit dans la ville de Nouna, située dans la province de Kossi, de la région de la boucle de Mouhoum, et ont tiré sur le bâtiment de la maison d'arrêt et de correction, a déclaré une source sécuritaire à Ziwa. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés et plusieurs prisonniers ont été libérés, selon le constat fait dimanche matin par les médias locaux. Les autorités burkinabées n'ont pas encore communiqué sur cette attaque qui n'a été revendiquée pour l'heure. Alors, très chers auditeurs, telle est la situation actuelle du côté du Burkina Faso. Qu'en pensez-vous donc? Laissez vos avis en commentaire, partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée notamment intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et retrouvons-nous très prochainement pour de nouvelles notes d'information, toujours sur Africa Miniature. Bye bye!